Et puis j'aborde le sujet qui nous anime d'assemblée en assemblée, et qui est la lutte contre la pédophilie, on préfère dire la pédocriminalité, parce que étymologiquement, paidos c'est l'enfant, et filia c'est l'amour. L'amour des enfants ne conduit pas à ce genre d'actes. Voilà. Donc c'est la pédocriminalité. Nous avons eu le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidée par le professeur Jean-Marc Sauvé, qui était vice-président du Conseil d'État, et que les évêques de France ont nommé pour constituer une commission, alors indépendante, pour évaluer la situation et nous faire un rapport concernant la pédocriminalité dans l'Église et la manière dont elle a été traitée depuis les années 50. Vous voyez, donc ça porte sur 70 ans. Il y a eu, à ce jour, un peu plus de 2800 appels ou courriers de la part des victimes. Et puis, il y a des questionnaires. Environ 900 questionnaires ont été totalement renseignés, plus loin, à partir des premiers contacts. C'est un bilan d'étape, hein, de l'activité de la commission Sauvé, de la CIAS,